Donald, Patrick, à la formation 149. Allez, bonjour à tous. Bienvenue en direct sur le C'est bon, là. Bonsoir à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc, nous sommes à Bonfontaine-des-Halles, dans l'Ardèche, chez la famille donc de Gérard Bénon, pour le 22e supranational masculin. Donc, je suis en compagnie de Esteban, le petit-fils, et de notre papy vétéran. Voilà, notre petit papy à nous, qui nous gave de choses. Donc voilà, on va vous présenter un nouveau 32e de finale. Alors l'équipe, elle est belle. Alors je suis désolé hein, pour les malgaches, je risque d'avoir peut-être un petit souci de prononciation. Mais avant, on va vous présenter l'équipe de Claudic Jordan, qui est accompagnée de Fakam Brian et Lacroix Noël. Alors Claudic, le jeune qui a gagné le trophée des villes avec l'équipe de Riviera Fernandez Bonetto à l'époque, et vont être affrontés à l'équipe Madagascar de notre ami Rakotoni Rina, Frédéric Jimmy, et Rajabelina Charlie. S'il vous plaît. 149. Donc voilà, c'est Madagascar VS voilà. Claudic. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne partie. Donc voilà. Bonjour. C'est bon, on peut y aller quand vous voulez. Ouais. On a un électricien, il est au courant. Bien sûr, ce soir, nous jouerons jusqu'en 16e de finale. Donc, 16e de finale, c'est béni. Je ne sais pas, tu dis ça. Il a raison, ça va bien. Pour manger. Allez. Bonani, ah, je sais pas du tout, il faut aller voir là-bas. Désolé. Ah non, non, moi je filme. Il y a une caméra, c'est pour filmer. Salut mon André, comment vas-tu? Et ben voilà, allez, c'est l'équipe Claudic. Donc au point, c'est notre ami Noël Lacroix, qui est le pointeur, Fakam Brian, et puis Claudic Jardel. Et Noël Lacroix au point. Bien joué de la part de Noël. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il vient de se réveiller. Ah d'accord, excuse-moi de t'avoir réveillé. Mange le dernier. Mange un chou, si tu veux. Bonsoir, t'en es où? Ah merde! T'as perdu là? Ah oui! Allez! Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être Tania. Je sais pas pourquoi, il a bien une tête à s'appeler Tania. Nouvelle partie de 32e de finale, la formation 270 de Lionel. Ben voilà, le corps est lancé. Florent Maton, 163, 270. Venez récupérer vos fiches de jeu. Jordan Claudio tire. Ah, bien tiré de la part de Jordan. De la licence. Les licences, il y a combien? Ah! Hein?
Bien joué celle-là. Ah, je serai pas du tout. Mon petit loup. Ça doit être un joueur. Allez. Nouvelle partie de 32e de finale. Ah, c'est bien joué. Entre la formation 128. C'est bien joué, c'est bien joué. Face à la 148 d'Alexandre Mallet. 148-128. Venez récupérer le fil de. Eh bien, genre là, on est repartiré. Et ben voilà, deux tirés, deux carreaux. Tu comprends, Stéphane, pourquoi t'es avec moi? Allez, bah. Pourquoi il s'appelle comment Charlie? Et Giacomo, je crois que c'est le grand. Regarde, il y a Taina, Charlie, Frédéric Jimmy, et je crois que Rajao Bellina, Charlie, je crois que c'est le grand. Ils sont de quel département, les 13? Ouais. Et 77. Bien pointé devant moi. C'est très bien joué. Ouais. Ah, c'est bien joué encore. Eh ben Noël la croix. Allez, Noël la croix, s'il tape, c'est bien, il fera jouer la dernière pour qu'il y ait un peu plus de pression. Voilà, c'est, il y a le nom. Il va tirer. Non, on tape avec ça, quatre dans la passe. Mais ça suffira sans doute pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit? Je peux le décaler. Je vais trouver une carte bleue au nom de Yanis Arouk. Voilà, donc si vous avez perdu votre carte. Eh bien non, ça suffit. Ils en ont fait deux. Retrouver. À la sortie, ils sont bien tirés puisqu'ils en ont fait deux. Et on va démarrer la deuxième main. Sinon, ils vont pas rentrer.
Allez, la 563 de Florent, maintenant, s'il vous plaît. Venez récupérer votre fiche de jeu pour jouer à cette 30e de finale. Et ben voilà. L'ouverture du score 2-0 pour l'équipe Claudie. 358. Noël Lacroix qui est un peu long. Qui va permettre au malgache de prendre le pointé. Ils vont pas attaquer. Dieu, mais comment ça fait un truc? Oh, je commence à avoir peur. Je peux prendre un petit coup. C'est un repas? Tu as un sandwich? Non, on va manger quoi là? Ah, bien joué. Bien pointé. Ah, très bien, elle l'a gagné. Il a envoyé le petit Jordan devant. Il a fait de bons voyages. Il est en forme apparemment. Nouvelle partie de 32e de finale, la formation 369 de Loïc Dimas passe à la formation Royaltaise 204 de David Durand. Allez, David Durand, Loïc Dimas, venez récupérer au fil du jeu. Ça joue bien. Hein. Là, tiens, encore là. Il n'y a pas encore palé. Ah ouais, tiens bien. Oui, mon ami Fifi. Tu sais, dans la bannière du groupe Pétanque, il y a écrit le groupe est géré par Table de Marc Ludax. Et ben voilà, tu vas sur Table de Marc Ludax et tu as un lien pour voir tous les résultats. N'hésite pas à y aller, Table de Marc Ludax. Et tu auras le lien des résultats masculins et féminins. N'hésite pas à y aller. Voilà. Et ben allez, les Malgaches sont encore derniers à pointer encore. Eh ben, c'est encore bien joué. Et ben allez. Pas de camion. Ah oui. On va aller prendre des cours. Pas de cam, Brian. On va aller prendre des leçons. On va leur demander si mercredi ils ont du temps à perdre pour nous entraîner. Ah ouais. Ça bombarde. Hein. Comme il dirait notre ami Jean-Luc Robert, ça patine. Mais pas de ce petit. Ah, puis c'est surtout que ces deux jeunes. Après, bon, voilà, il y a Noël Lacroix qui a une expérience, mais c'est deux petits jeunes et. Deux jeunes bombardiers avec un peu d'expérience. C'est ça. Et ben, quand Maisoni a gagné la Marseillaise, il a joué avec son Casal et Delahaye qui était plus joli. Pas droit. Et en plus, il a éclaté les deux siennes derrière. Je te mets des choses dedans. Ce soir, je vais manger un vrai repas. Quoi? Un vrai repas. Spaghetti bolognaise. Oh, rien de. De rien, mon fifi splosh. Allez, nouvelle partie 32e de finale entre la formation d'Antoine.
Dubois. Donc, en information de Patrick Béret, la 182. Allez, venez récupérer vos fiches de jeu. 182, s'il vous plaît. Il en a tiré deux, Noël. Les deux ont patiné. Je croyais avoir répondu à ma chérie ce matin, j'ai oublié. Oh là là. Ah, et Claudie. Ah oui, sinon ils n'auraient pas fait. Eh ben, elle est plus à eux. Ben, je crois qu'il y en a trois. Ah non. On va voir, mais ça doit être une main de 1. Non. Ah non. Eh ben allez, on démarre la troisième main de 2-1 pour l'équipe Claudie contre l'équipe de Madagascar, donc les Malgaches. Ouais. C'est bizarre parce que depuis le début, lui au point, il en a pas perdu une. Et là, il est un peu court. Après, là, comme tu dis, on a vu des points mieux que ça se perdre. Pire que ça se perdre. Hein. Ben, Noël la croix. Ouais, ben Noël, il l'a perdu. Eh bien, il a gagné. Allez, on va voir notre petit jeune partir au tir, à mon avis. Oh oui, ben là, ils vont pas réfléchir, hein. Ils sont pas trop venus. On se poserait 35 questions. Il va là. Tant mieux, encore ou pas. Eh bien, c'est bien donné. Il a fait le job. Eh bien, mon Fifi Sploche, vous avez fait quoi dans le B? Je savais qu'il fallait pas jouer comme ça là. Elle avance partout là, regarde.
je pense. C'est bien tiré. Il a raison, notre petit Esteban. Esteban de la... Esteban de la Fuente. Ils étaient 2 à 11, hein? Non, 2-10. Tu sais ce qu'on fait demain? On dit à ton beau-père de commenter et jouer avec ta soeur. Avec ta soeur. Oh, il joue. Ta soeur, elle va jouer avec un vrai. Avec un champion. Je n'ai même pas pris mes boules. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux foutre avec mes boules dans un truc où je ne pouvais pas jouer? Ah oui, t'as supprimé celle-là. Allez, eh ben il y a un faux rythme dans cette partie. Ah, vous l'avez pas fait, mon fifi, c'est dommage. Eh ben allez, les mains. Le petit malgache, ils ont le temps. Par contre, si on voit qu'il y en a deux de plus, on va s'en prendre. Oui, d'abord, je regarde. C'est lui, bien sûr que j'ai bien. Maintenant on fait 3, au moins. Maintenant il y en a 4 encore. Ah bah si, on a 4, ça fait 5. Alors, t'en es où? Une autre. Hein? Pour une autre. Oh putain. C'est toi qui avais perdu en finale avec Benji Renault là. Allez, donc, deuxième ronde, deuxième ronde. Après, nous allons jouer avec la raisonneur Thérèse. Bruno Gir, 0-2 sur la. Et Patrice Landron face à la formation 565 de Stéphane Trippier. Merci, mon fifi. C'est le droit, par raisonneur C. Allez, il faudrait que nos petits jeunes ils se réveillent là. Parce que moi, on le prend. Non, j'ai pas le temps. Si, si, franchement. Putain, mais dis-moi. Fais plaisir à papy. Mets-toi de profil et mets le chouros comme ça. Mec, tu me gardes ma place. Allez, le bouchon est bon. C'est une belle, tu sais que tu peux dormir ou pas? Ouais, mais non, pas maintenant. Dors, dors. Midi, ouais, ça donne pas mal. Dans la sieste. Avec les pieds sur la chaise, c'est bien. Et on y va bien sur les pieds. Ouais, normalement, on peut mettre là. Eh ben, c'est une belle entame. Vous pouvez pas la voir parce que je vous ai pas mis la. Et il y a le bouchon. Voilà. Attends, on va supprimer les partenaires pendant 2 minutes. Priorité à la partie de boule. D'ailleurs, je tiens à remercier tous nos partenaires, donc Esteban Bédon, voilà, qui fait un don à l'association chaque année d'une dizaine de churros. Et Noël Lacroix, qui va s'employer. Oh, que c'est bien joué. Ah, ça, c'est une très bonne boule parce que ça va ouvrir une main d'attaque pour l'équipe acrylique.
mon Ludo. Ça va, toi? Ça va ouvrir une super mène d'attaque. Allez, bien sûr, demain, n'oubliez pas, reprise des parties, 8h30. Voilà, ça c'est pour les spectateurs. Si vous voulez de bonne heure venir voir les parties, les huitièmes de finale commenceront à 8h30. T'as mis le clip là qu'ils ont mis ? Ah, là c'est une. Eh ben allez. Là il faut le gagner par contre. On commence à le gagner parce que t'es. C'est ça. Ben, tu vois, ce boule en devant de boule, on disait qu'elle ouvrait une jolie mène, elle a ouvert une jolie mène. Ah, mais celle-là, elle est bien. Ah, là, elle ferme le jeu. Côté, il y a Benarmi qui mène 10 à 0. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire, nos petits jeunes en bleu. Il faudrait un responsable, s'il vous plaît, pour allumer les lumières, s'il vous plaît, pour les joueurs. Merci. Nico ? Non, il n'y a pas de coupure repas, mon fifi, ce soir. Donc on enchaîne toute la nuit. Et puis quand on sera fatigué, on arrête. Donc si je peux avoir, s'il vous plaît, un technicien pour allumer toutes les lumières. Merci. Ah oui, la patronne. Ah, mais t'es au fond de l'île. Avec Jordan, ils sont allés tirer pour ouvrir le jeu. Malheureusement, il a manqué. Et Logé, t'as personne là-bas, Arnaud. Ça joue où, Logé? Il faudrait un arbitre au terrain 8, s'il vous plaît. Un arbitre au terrain 8, merci. Ben...
Jordan, il a manqué double. Oh, il a cassé la sienne avec. Alors, est-ce qu'il tient ou pas, je sais pas. Oh, il a cassé son devant de boule. Premier 16e de la finale, donc partie qualificative pour demain matin, la formation 317 d'Éric Gauthier. Face à la formation 80, formation gardoise. Allez, la 80 et la 317. Bon ben, quoi qu'il arrive, il y aura un point pour quelle équipe. Nouvelle partie de 16e de finale. Donc partie également qualificative pour demain matin. La 110 de Lionel François face à la 52 de Jonathan Dubois. Ils vont faire venir l'arbitre. Ils vont faire venir l'arbitre parce qu'ils ont un petit but. Donc ils vont mesurer tranquillement et l'arbitre il va nous dire qui c'est qui tient. Je pense que c'est laquelle qui tient, mon petit regard. Il dit 110 de Lionel François. S'il vous plaît. La 110. La première, la tenir. Moi je pense que c'est la plus proche. Ah, c'est sûr. Ah non, bah rien de l'arbitre qui va mesurer. Ça, vous l'avez en direct. C'est rare d'avoir l'arbitre en direct comme ça, aussi proche de vous. D'ailleurs, on félicite encore tout leur boulot. Parce que, malgré tout, on les décrit beaucoup, mais heureusement qu'on les a. Heureusement que t'es là pour me l'arranger après. Ouais, je vais aller manger après. Je suis bien d'accord avec toi, mon Fifi, que si l'équipe de Claudie Saint-Boulan, enfin, le point par terre, ne marque pas en ayant un devant de boule, c'est vrai que c'est moche. Mais c'est la vie. Mais ils n'ont pas marqué. Là, ça fait cher. Ça fait cher. Là. Ah, celle-là, elle est très très chère, le Ben. Ah, le bouchon est pas bon, ils vont le poser à la main. Thank you.
On a laissé 10 minutes aux adversaires, ils sont en train de manger un sandwich, donc. Hein, tu prends pas la tête. Là, c'est fini. Eh ben, il est pas rentré dedans. Oui, ils avaient mesuré, ils pensaient tenir, et ben non. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport. Oh, le Bayern avait assez de... Manchester City 2-0 à l'Angleterre. À l'Angleterre. Barcelone, ils perdent. Oh, ils lancent. Oh, il y a. Putain, tu veux qu'on regarde ça. Ouais, toi, je t'aime bien. T'as tellement copain, toi. T'as tellement pote. Ils sont allés gagner à... Allez, je reprends un petit. Regarde. Et bah allez, bon, ils vont quand même, mais à côté, il y a Thierry Benhambré qui tire, donc il laisse Thierry Benhambré. Ça télégramme. C'est gratuit. Parce que sinon, moi je n'envoie pas. Il n'y a rien. Pas un moment, il est incendié, il n'avait plus les numéros. Allez, ça c'est pour trouver une gourmette au nom de Raymond. Donc il y a une date de naissance bien sûr derrière la gourmette. Et si vous donnez la date de naissance, vous avez la gourmette. Ah, bien tiré, Jordan. Le colis qui a très bien tiré. C'est important parce qu'ils sont pas bien. Ils sont 2-6. C'est pas qu'ils jouent mal en plus. Hein. Mais voilà, donc, bonne réussite. De finale, partie qualificative que l'on va jouer. Carré d'honneur, Kerengi. La formation de Nicolas Bonani face à la formation 397 d'Anthony Cortés. Bien, je contre-attaque. Ouh là là, celle-là est pas droite. Ouh là, pas bien sortie de la main. Allez. L'équipe de Jordan qui sont une jolie mène. Ils ont éclairé, mais que d'un côté. Non, pas éclairé cela. Non. Et comment on va faire pour filmer dans le noir? Christian. C'est pas allumé, hein. C'est une question, ça, c'est une question. Non, c'était juste pour te dire, hein, t'inquiète pas. Ça va te faire gueuler. C'est un bout de nerf. Allez.
Mais il a bien serré. C'est bien qu'ils ont gagné. Il y a eu de 30e de finale à la formation de crédit au Robert. La 343 passe à la formation. Jordan, il va y aller. De Christian, là, il y va même avec une mobilette. Si j'en mettais encore un, ils auront profité en moitié. Ah, il est un peu court. Eh bien, mène de deux points. Mais c'est bien parce qu'il remarque. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas marqué, donc ça leur fait du bien de marquer. Noël qui continue son job. Voilà. Il est en nul. Je sais pas, il avait perdu contre le gars de la fin. Il est disparu. Il a fait 27. Vas-y, t'as pas froid? On est reparti au charbon. Allez, petit Jordan qui repart. Mais il n'est pas droit, il a tapé la sienne. Là. Ah voilà, elle a paru à l'écran. Il repartirait. Et bien il a tapé. Il a fait passer, ça suffit. Oh mais oh, l'année prochaine, je viens avec une doudoune. Un coup il grêle, un coup il neige, et maintenant il fait moins 15. Il est toujours beau, Bord Saint-André-Hol. Je crois qu'il y a un problème là-bas. Il y en a deux, ils jouent en noir et l'autre en rouge. Et je crois que l'arbitre, c'est un peu compliqué pour lui là-bas. Par
Non, c'est l'autre là, il est en rouge et les deux autres sont en noir. Mais non, mais Anthony Kanté, ils ont en rouge comme ça. Parce que, en fait, si tu veux en dessous de t-shirt, tu dois avoir les manches uniformes. Ouais, regarde la bête. Parce qu'il y en a qui n'ont pas mal aux jambes devant Noé Vissal. Envoyez pète l'arbitre. Bravo pour la télé. Oh, il y a 4 32e de pas courir. Et bien en tout cas, il y a un petit vent chez vous dans l'Ardèche et ben il est pas chaud. Jamais chaud aussi. Allez. Pas qu'à moitié. Ryan. Oh, il est 10 devant, elle est manquée la boule. Allez, nous allons courber la 501 au terrain 44, s'il vous plaît. Et assez rapidement, parce que les arbitres vont intervenir. Voilà. Bien joué. Eh ben, il mène de 2 points encore. Franchement, il joue très bien, cette technique. Ouais. Bah ouais, il joue très bien, hein, franchement. Allez, je vais nos amis malgaches qui mènent 8 à 4 et qui ont pris un peu d'avance. À lui. Après, il allait les perdre en finale. Donc, de nos gires. Et lui, il joue avec Jean Rochette et. Peter. C'était, bah, c'est lui, Peter. Il joue avec Benji Romo. Non, Benji, il pas ce qu'on a. Ah, si, il joue avec Benji, Peter et. Non, les... en fait, Benji, là, il a jamais perdu. J'ai demandé, j'en en a parlé tout à l'heure. Oui. Il jouait Benji, Peter Scholl et Jean Rocher. Christophe Rochette, pardon, de la hauteur. Et puis un final contre Jean de Soura, de Souza. Mais rigolez pas, Gir. Ils ont fait une grosse partie, vous, nous, Gir. Non, ça joue. Bien pointé de la part de Noël.
Il n'est pas content, Noël Lacroix. Je te jure, je me pèle. Je me pèle le jonc à la mort de ton bourgeois. Moi, ce qui est bien, c'est que mes caméras n'ont pas chaud. Eh ben, c'est dommage, j'ai pas gagné. Eh ben allez, c'est à l'attaque. On va essayer de détruire un peu. Oh, comment elle fait. Pardonne pas ça. Hein. Il y a notre petit jeune préféré qui revient. Putain, José. José, tu t'es fait piquer la place. Pas grave, t'en as une autre. Bonjour. On m'a dit qu'il n'y avait pas de partie. Celle-là, Caillos, là. Caillos, pas une partie. C'est une partie, ça. Oui. Pourquoi il m'a dit qu'il a joué. Il a gagné, il envoie Jordan Cloutier au tir. Allez Jordan. Oh merde, il y a des quais. Il y a pas qu'on dit à ton père qu'il investit dans le chauffage, hein, sur ce podium là. Une petite cabane, c'est fermé pour avoir. Ouais, ouais. Non, mais et puis il y a une petite cabane en bois avec un petit verre de chauffage. C'est pas mal. Le Jordan, retiré. Ouais. Tiens bien ce jeune. Il y a un réservoir de pépites en France. Oh, ils en sont où les verts? C'était bien joué, hein. Pas grand chose pour le gagner. Putain, j'ai un pantalon, je suis con, j'ai laissé mon camion. Non, je m'en donne rien. Je peux pas que mon short, ça te fait pantalon. Allez, oh, c'est bien joué, mais il a traversé le jeu. Il a joué sa boule devant. Allez, Jordan, il a une belle main. Là, franchement, elle est super importante, celle-là. Parce que s'il fait carreau, il peut faire la main de 6. Hein. Il tire à 2, déjà. Ouais, bien tiré, il y a 2 par terre. 3 boules de rajout, ça ferait 9 à 8 s'il les met. Allez, faut pas les manquer, elles sont importantes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en fous, toi, t'es jeune, t'es beau, t'es talentueux. Non, peut-être pas talentueux. Ah oui, c'est vrai. Allez, Noël Lacroix, il faut qu'il la mette. C'est important pour son équipe. Ouais.
Il y en a 4 par terre. Il a raison, faut pas qu'il vous fasse au bouchon. Parce que si t'as le malheur de le toucher, tu casses tout, ça serait mal. Là, tu joues dans les boules tranquillement. Ah, ça c'est bien joué, dans les boules tranquille. Ah, mais il y en a 5. On va démarrer la 8ème. La partie de 32e de finale. La formation 46 de Christophe Fouquet. Ils ont bien provisé. 242 de Richard Poulet. Là, là, ils ont bien provisé. 242, 44. Vous venez récupérer 42. Pourquoi tu m'as dit 5 Je sais pas me raconter des conneries. Non, non, c'est toi. C'est toi. Direct, c'est Moussa qui nous a dit que c'est Moussa. Ouais. Il y a intérêt de faire des commentaires. Vous avez combien de personnes qui suivent? Ouais, ça dépend. On est 89 000 sur le site. Ça marche. Allez, Noël Lacroix. Il y a un peu long. Oh, elle est pas trop mal. Elle est déjà là. Amis spectateurs, n'oubliez pas demain, reprise des parties à 8h30 pour ces 8e de finale. Bien joué, Benko. Il est tombé nulle part, c'est le truc acheté au chien. Allez, Noël, je vais essayer de le gagner. Je vais prendre la croix. Si. Il est plus grand que moi. Il est tiré d'un diacre. Nouvelle partie de 32e de finale. La formation 286 d'Axel Gire face à la formation 364 Jean-Baptiste Gomez. 364-286 au fiche du jeu. Ah, c'est bien joué. Bien rectifié, il a gagné. Par contre, si notre ami Malgache tire bien, je pense que ça peut faire mal. Il est court, surtout. Un peu moins bien depuis quelques mètres, peut-être le froid qui fait aussi, parce que je peux vous dire que sur le site de Bois-Saint-Andéol, ils ont dit ce que c'était que le chaud. Mais il n'a pas rien fait malgré tout. Il a cassé un point potentiel. Le gros 16e de finale que nous allons jouer, terrain carré d'honneur. La formation 53 d'Alexandre Rocamora face à la formation 37 de Vincent Renard. Camorra, ça joue ça avec le français, ça, la machin. La machin, le troisième, je connais pas. Je suis gelé, moi, ici. En fait, je peux pas avoir pas tout ça.
Stéphane Trépied est très fort. Très fort. Pas très fort. Non, mais il est très bon. Ouais, ouais. Il est bon, il est bon. Ouh, celle-là, je crois qu'elle n'a pas bougé. Ouais, mais les bœufs, ils ont une bonne mène en parcours. Hein. Ils ont eu un mal à partir des 3e man. Mais il y a 8 partout. Ouais, 2 partout. Il reste plus du bout, le jardin. Ah, il y en a 8 dans comme ça. Ça c'est bien tiré. Si le mec il a gagné, c'est bien joué. Là je pense que mon petit Esteban, tu peux l'applaudir. Ouais, Jordan il a manqué quelques boules. Au mieux de partie. Allez, je lui passerai, ça marche. 8 à 8, il y a. Voilà. Mène de 5, ça fait 13. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Salut Monty. Eh ben, je peux le faire, c'est pas compliqué, je t'identifie. Je t'identifierai sur le prochain live. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Coucou mon Zach. Voilà, fort de l'équipe Claudie. Facab et Lacroix. Merci à tous. À tout à l'heure. On vous donne rendez-vous pour une nouvelle partie.